Bonjour et bienvenue sur le blog UGTips. On va voir aujourd'hui, toujours dans les nouveautés d'OS 10, El Capitan 10.11 que je vous conseille, comme à chaque fois, de télécharger, puisque c'est un très bon système. On va voir les nouveautés de l'utilitaire de disque. Si vous ne l'avez pas encore fait, comme d'habitude, je vous conseille de télécharger mon guide du Mac, c'est gratuit, il y a plein d'astuces à l'intérieur. Alors, l'utilitaire de disque, il se trouve dans le dossier application, dans le dossier utilitaire. Et vous pouvez être un petit peu surpris si vous le lancez sur El Capitan, puisque vous voyez qu'il a complètement changé, en tout cas en apparence, par rapport à avant. On a toujours la fonction ici SOS pour réparer le disque dur s'il y a un souci. D'accord. Alors je vais brancher un disque externe sur mon Mac, et normalement il va apparaître ici, voilà. Alors je peux, comme d'habitude, formater mon disque en appuyant ici, je peux choisir mon format ici et l'effacer. Donc j'explique tout ça en détail dans mon e-book, dans mon guide du Mac. Vous pouvez le télécharger sur le blog ou sur le lien qui est au début de cette vidéo. Donc par contre, ce qui peut vous étonner un petit peu, c'est qu'on n'a plus la fonction réparer les permissions. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans OS X El Capitan, il n'y a plus la possibilité de le faire. On peut le faire avec une commande terminale, mais ça n'a pas un grand intérêt puisque le système le fait automatiquement. Donc vous n'avez plus à vous soucier de ça dans OS X El Capitan. Les choses se font automatiquement, notamment à chaque installation et mise à jour d'OS X, le système va réparer les permissions avant de faire les mises à jour. Donc pas d'inquiétude là-dessus, la fonction n'est plus là, mais c'est pour votre bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur le blog UTips.